ces perspectives ne tenaient pas compte d'un certain nombre de situations nouvelles, notamment celles que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire de la résolution de la crise grecque, qui va permettre maintenant de lever tous les doutes sur l'avenir de la zone euro, sur son intégrité, sur sa pérennité, et va créer un climat de confiance. J'indique, mais c'est simplement la position de l'OCDE, que cette organisation affiche des hypothèses de croissance plus faibles que les nôtres, mais ajoute qu'il n'est pas utile d'avoir des politiques budgétaires plus contraignantes. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.